Salut les lionceaux! Alors bienvenue sur le live spécial tisane aloe vera épice avec Carlo. Carlo, votre belge préféré qui ne devrait pas tarder à arriver. Salut Carlo! Alors, on t'attend de visu. Bonjour! Voilà. En attente de Carlo Stevens. Oh, Carlo, le réseau semble un petit peu faible. Non? Voilà. Ah, je suis là. Coucou. Okay. Bon, tout va bien? Bah ouais, toi? Ouais, super, nickel. Bon, alors, il va peut-être y avoir un petit peu de bruit parce que c'est ma machine à laver est en train de finir. J'étais en train de laver le panier de mon chat. Machine à laver, c'est peut-être un autre outil. Je te connais. Non, il ne ferait pas autant de bruit quand même. Il y a du progrès quand même dans les inventions. Je ne connais pas ces trucs-là. Donc... que tu dis. Exactement. Je ne peux pas dire. Vous savez le smiley là, avec la fermeture éclair au niveau de la bouche, c'est ça. On ne dit rien. On ne dit rien. On n'entend rien. On ne voit rien. On ne dit rien. Voilà. C'est ça. Mais on prend le plaisir. Voilà. Exactement. Et oui, ah bah, la machine est en train de terminer, mon chat va être content. Tiens, d'ailleurs, quoi qu'il. Il est dedans, oui, ou pas dans la machine avec le panier, oui, bien sûr, ouais. Oui, c'est pas mal. Ouais, il est trop content. Pas mal. Oui, bon, vu qu'on dit que tout à l'heure, on arrête un peu nos plaisanteries, que c'est quand même quelque chose d'un sujet délicieux qu'on va parler. Ah oui, d'ailleurs, toi qui racontes toujours des blagues d'habitude. Oui, je mets une. Non, j'en ai une mignonne là aujourd'hui. Ah bon, allez, vas-y. Justement, à propos de chat, est-ce que tu sais comment on fait aboyer un chat? Miaou, miaou. Non, ça c'est un miaulement. Comment on fait aboyer un chat, comme les chiens? Mais non, mais ça aboie pas. Ah, mais si. En tout cas, attends, je vais l'appeler. Ninou. Non, oui, c'est vrai, elle fait ouf, ouf. Je veux dire comment on fait aboyer un chat. On lui donne une tasse de notre tisane et il la boit. Ouais, t'as vu, il y a de l'esprit, hein. Voilà, tu m'épates là. Voilà, tu prends pas encore du focus, mais avec le focus là, ça doit te. Oh. Rien que de parler du focus, ça y est, je suis focus. Ah, voilà, tu m'étonnes. Il y a écrit quoi sur ta tasse parce que ça m'intrigue. Ouais, bon, alors désolé pour le message. Ah, c'est à l'envers. Ah bon, d'accord. Alors, si on est. Ah, bah non, c'est toujours pareil. C'est pareil. Alors, attends. Si on fait. Lis-le, c'est plus simple. Ouais, mais chut, parce que c'est pas très. C'est marqué. Je suis une princesse et je t'emmerde. Mais c'est pas mal, ça. Ouais. Et les princesses, ils boivent quoi? De la tisane. Ah, toi aussi, t'as la tienne. Eh ben oui, bien sûr. Bon. Et t'as vu, j'ai mis un t-shirt de la couleur de la boîte. Mais c'est ce que je vois. Mais écoute, c'est dommage parce que je vais ouvrir un petit sachet ici chez moi parce que j'ai préparé ça. Ouais. Là, et après, on a ça qui sort et ça, ah, ça sent trop bon. Il est excellent. Je ne sais pas si ah, tu ouais. le sens. Ah, si. En tout cas, moi qui adore la cannelle, moi, c'est fabuleux. Mais oui. Juste en ouvrant la boîte et le sachet, tu as envie de le boire. C'est vrai. Et tu sais que de toutes les personnes à qui j'ai fait boire la tisane, c'est un carton plein à 100%, tout le monde adore et tout le monde en veut. Ah ouais, mais ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Moi, j'ai même des gens qui disent « Ah non, pas la cannelle ». Au moment qu'ils la boivent, ils l'adorent. Ouais. Parce que c'est si délicieux et c'est si fin dosé que les gens ils disent bah, « ouais, je le bois ». Hop, et j'ai mon truc qui est en train de partir. Oui, c'est ce qu'on voit. Ouais, ah ben oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que dans la tisane, il y a aloe vera et épices. Donc, aloe vera plus gingembre, cardamone, tout girofle, cannelle et peut-être autre chose que j'ai oublié, mais en tout cas… les zestes de citron aussi, on sent un petit peu les feuilles de mûre, très intéressant aussi. Graines de fenouil, hein, ouais. Très intéressant pour la digestion aussi. Cardamone, je ne pense pas que tu l'as dit. Si, je crois. Tu l'as dit. Et bien sûr, notre petite fleur. Aloe vera. Aloe vera, voilà quoi. Ah, je ne sais pas si tu as dit à camomille aussi.
Ah non, j'ai pas dit. Non, camomille, donc c'est intéressant aussi. Donc en fait, avec tous ces ingrédients, on voit que déjà c'est une boisson qui va nous hydrater plutôt, pas nous déshydrater, mais hydrater, voilà. Et ce qui est aussi apaisant, qui va aussi, grâce à cette douceur quand on boit, nous vraiment être dans une zen attitude, moi je trouve. Oui, Voilà. c'est vrai. L'avantage que j'entends pas mal aussi aux gens qui disent, bah, tiens, c'est marrant, on n'a pas besoin de rajouter du sucre. C'est Ça, ça. c'est la Surtout pas de sucre saveur. avec une tisane. Elle est Voilà. déjà parfaite. Exactement. Et puis, toi, intéressant bah, moi, je le conseille un peu pour les gens, pour un effet bien-être et digestif, tu vois. Mais aussi, on peut l'utiliser pour Oxyfié. ouais, voilà, exactement. Sur le corps. Et dans ce cas, on va prendre 2 litres de cette tisane. Donc, on va le préparer. Moi, comment je le prépare personnellement? Je prends le petit sachet, je le mets dans une petite poêle, casserole plutôt, le soir. Je laisse macérer, je chauffe un peu. Je laisse toute la nuit macérer, en fait. Ah, Toute la d'accord. nuit, ouais, toute la nuit. Parce que j'aime bien quand c'est un peu plus fort, les Oui. tisanes, tu vois. Et dans ce cas, après, le matin, hop, je mets dans ma bouteille d'un litre et demi. Et ben, vu qu'il fait chaud chez nous, là, je ne sais pas chez toi, Ça va, c'est ça tempéré. va, On c'est est bien en tempéré, Bretagne, voilà. tout le monde est à la télé. Ah ben oui, non, mais j'ai rien contre. Voilà, quoi. En tout cas, je viens du Nord, donc Ah, du voilà. Nord, eh oui, c'est vrai. Exactement. Et puis, je le prends dans la journée, tu vois. Parfois, si je vois que j'ai envie de le chauffer un peu, je le chauffe. Donc, je le prends aussi bien froid que chaud. Et je fais même des glaçons avec aussi. C'est Ah marrant. oui, on avait dit ça la dernière fois. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. On verse de l'aloe vera dans le truc à glaçons là. Et puis ensuite, il y a juste à mettre dans les boissons et l'aloe vera se diffuse. Exactement. Tu peux me répéter la recette parce que j'ai déjà oublié pour les glaçons. La recette des glaçons. Vous prenez donc un bac à glaçons. Vous versez de l'aloe vera dessus et vous mettez au congélateur. Et quand vous sortez du congélateur, vous avez des glaçons d'aloe vera. D'accord, bravo Vanessa. La recette de Maïté. Voilà, le glaçon à base de l'infusion d'aloe vera. Ouais, cool. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, que tout le monde peut en prendre à n'importe quel âge, en fait, hein. Donc, voilà. C'est vrai. Ah oui. Et moi, cette tisane, j'utilise après chaque cours de yoga. Et parce qu'on a un petit rituel, tu Super. vois, après chaque cours de yoga, je leur offre une petite tisane et puis on prend une carte de méditation. Et ben, tu vois, là, je mets un sachet seulement dans un gros thermos comme ça. Et la tisane est super bien infusée. Donc, quand vous Ah, achetez d'accord. des tisanes, c'est 25 sachets, mais qui infusent 1 litre, quoi. Donc, c'est Ouais, pas c'est ça. un sachet pour une tasse. C'est C'est ça, vrai que c'est quand même exactement. super intéressant. Et comme tu disais très bien, elles sont aussi bonnes chaudes que froides. Ah ouais, exactement. Toi, et moi, de temps en temps, je triche un petit peu. Ça reste entre nous, mais je râpe un peu du gingembre encore dedans. Ah, c'est comme quand on Voilà. prépare un chai indien, et ben on prend des épices chai, et Exactement. après on râpe encore des épices. Exact. Ben, voilà. Donc, on peut faire ça aussi, y a aucun problème. Donc, voilà quoi. Ouais. Notre infusion qui est super bien. Et j'adore cette boîte. C'est peut-être bête, hein, mais j'adore Mais cette non, mais boîte. elle est belle déjà. Ouais. Non, non, mais c'est sûr, hein. Elle est J'adore. super belle. Alors justement, hier, j'avais une élève qui me demandait de lui montrer la boîte. Bon, j'avais pas la boîte parce que j'avais que mon thermos. Donc voilà la boîte assortie au t-shirt, la glace là. Voilà. Exactement. Ça Voilà. va bien. Bah, peut-être on peut fabriquer une masque avec. J'en sais rien. À essayer. Avec cette boîte, tu vois, un petit élastique à droite et à Ouais. gauche, et on ne sait jamais. Bon, Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. on dit n'importe quoi là. Ouais, ça arrive, hein. Il y a toujours un moment dans le live où on part en vrille, hein. De toute Ouais, façon. on reste encore très calme aujourd'hui, je trouve. Oui, aujourd'hui c'est très soft, hein. Ouais. Comparé à Voilà, bon, la vidéo, voilà, comparé bon. à la vidéo aussi. Voilà, ouais, exactement. D'ailleurs, pour pas rester dans trop de soft, petite Allez, une petite parenthèse. déclaration. Ouais. Ouais. Tu sais comment les mamans belges, pourquoi elles ne sentent jamais des couches ou très rarement? Non. Bah, il y a marqué jusqu'à 23 kilos. Bon.
C'est Ah non, pas. mais ah non, mais toi, alors. Ah, non, là, franchement, entre ma blague du chat et la tienne, c'est kiff-kiff. Hein. Je ne sais pas à qui donner la palme. Va, va, allez, chacun. Voilà. Ouais, c'est bien, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Exactement. Bon, quoi dire d'autre de cette tisane, à part qu'on peut le commander chez toi? Voilà, on peut la commander chez moi. Et bien sûr, comme à chaque vidéo avec Carlo, et bien en présentation de cette vidéo, vous aurez le lien direct vers ma boutique. Donc, il n'y a Exactement. plus qu'à aller dans la boutique et chercher la référence 200. Ce que je peux donner comme conseil pour les gens qui vont sur ta boutique en ligne, tu vois, c'est acheter un pour vous, acheter un autre pour donner en cadeau. C'est ça, exactement. Quand Voilà. vous achetez des tisanes, eh bien, c'est comme le dentifrice la semaine dernière. Prenez-en plusieurs, comme ça vous faites découvrir. Exactement. Et Et c'est. oui, parce que de Ouais, toute c'est façon, ça. comme on disait, la tisane, c'est carton plein. Ça plaira de toute façon à tout le monde. Pour Tout l'instant, à fait. depuis 12 ans que je travaille avec, j'ai pas vu une seule personne qui l'aimait pas. Exactement. Moi, j'ai ce matin, j'avais une personne qui fêtait son anniversaire, hein, et j'avais donné cette boîte à son mari. Hein, Ouais. et ce matin, elle a découvert, elle m'a mis plein de petits cœurs. Donc, Oh, tu c'est vois, ben ouais, ben parce qu'elle a adoré. Et vu que c'est quand même quelqu'un qui travaille dans une grosse entreprise, ça va faire le tour de l'entreprise. Hein. Ça, je suis Ah bah sûr et non, mais certain. après ça va vite, hein, c'est sûr. Et Exactement. justement, je pense qu'on fera bientôt un live sur l'avantage de rentrer dans notre équipe. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, rien que pour le plaisir de partager les produits que vous aimez chez nous. Exactement. Bonne idée, Vanessa. Peut-être la semaine Yeah! prochaine? Eh bah oui, la semaine prochaine, on fait ça. Ouais, Allez, nickel. rendez-vous noté. C'est Eh bah c'est. marqué. Eh bah mon bon Carlo, bonjour chez toi. Très bien. Et puis, ben, je vais finir ma tisane dans ma super tasse de compétition. Eh bien, tu as bien raison. Et re Voilà. reste comme tu es, reste la petite princesse, hein. Ouais, Et puis, petit point d'arrière. Et puis, voilà. c'est Je donne le bonjour à tout le monde. Bonjour aux Bretons et à la semaine prochaine. La Bretagne vous salue. À la semaine prochaine, Carlo. À bientôt. Salut les lionceaux. Et direction la boutique référence 200 pour la tisane. Et s'il y a un souci, vous m'appelez, je vous explique tout par téléphone. Allez, bonne journée. Bye bye. Au revoir, Carlo. Salut! Au revoir. Salut.